Bonjour, bande de psychopathes. Ici Merlin Boss pour le 53e épisode de Rebirth. Dans l'épisode précédent, on a fait le challenge 11 avec Epic Fetus. La dernière run s'est plutôt bien passée. Bon, les deux premières un petit peu moins. Mais c'était quand même sympa. Et aujourd'hui, si on faisait une run en hard mode avec Azazel, en essayant d'atteindre Méga Satan. Méga Satan, oui, aussi, mais en essayant d'atteindre surtout The Lamb. Bref, c'est parti. Soyons fous. Là, attention. Un moment que j'ai pas joué avec Azazel. Donc on va faire gaffe. Je dis ça, évidemment, je me fais toucher. Bon, en même temps, je tombe sur ses ennemis à la con. C'est pas les meilleurs avec Azazel, mais bon. Et attention, parce que la vie, c'est pas ce qu'il y a de plus... de plus courant en hard mode. Putain, ils explosent pas, eux. Non. J'étais sûr qu'ils explosaient, apparemment non. Bah, tant mieux. Continuons. Là, bah celui-là il explose, enfin, décidément. Ah bah, faudrait pouvoir les avoir ici, nickel. Bon, on a le boss. Faudrait qu'on a des item room ouais, cette fois. Attention à lui, c'est vrai qu'on vole, j'étais pas sorti de la tête, faut toujours utiliser ça. C'est un avantage, il faut en profiter. Oula, qu'est-ce qu'il me fait à lui? Elle est où cette connerie d'item room? Ah bah elle est là. Juste en dessous de moi. Dans ce coffre, il y a des trucs pas mal. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, ralentir les ennemis et avoir quelques araignées de temps en temps, ça peut être bien. Ah. Casser les flammes. On ne sait jamais. Toujours trouver des trucs intéressants. Bon, là en l'occurrence ça m'aide pas, mais pas de tinted rock apparemment. Ah, une petite pièce hein. Pas ouf, mais c'est déjà ça. Et là Secret Room a de grandes chances d'être là. Voyons si c'est possible. Ah bah non. Ok, donc elle est ici. Nice. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au shop? Pas sûr. Quoique, pour de la vie, je dirais oui. Ah, le compas, fuck. Le compas, c'est génial. Bon bah je vais refaire un retrait. J'ai besoin de plus de trucs donc je vais en refaire un. J'arrête de faire ça un jour mais... Non, trop. Voilà. Ça reste à 300. La Bible, non, ça ne sert absolument à rien avec Azazel. Très bien la clé aussi mais bon, ça suffit. On a pris suffisamment de trucs, le compas il nous servira énormément. Forcément l'intention de louper des salles, mais c'est bien de savoir où on va quand même. Avoir le plus vite possible les item rooms et tout. C'est toujours bien. Shot speed, c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon. Allons-y. Bon, c'est l'heure de... Alors... Voilà, on direct à l'item room. Perdons pas de temps. What? C'est vrai que j'ai acheté un Spirit Art tout à l'heure et bon, là j'ai plus de clé. J'espère en trouver quand même. Là, qu'est-ce qu'il me fait là?
Bah, ça passe à travers. Ouais, on a assez de bombes pour ça, je pense. Alors, on en a que deux en fait, mais bon. On va voir ce qu'il y a dans les pots aussi. On a récupéré notre bombe. Et on gagne un peu de thunes, bon. Il y a pire. Ouh, une Blue Spirit Orb, ça c'est cool. Bon. On peut casser les pots en faisant ça. Pourquoi pas. Bon, rien d'intéressant. Pourquoi je vais vers le boss. Bon, mais bon. Car j'ai pas de clé. Pas trop ce que ça peut me faire avec ça, mais. Rien sans doute. Je ne sais pas. Bon, tuons déjà le boss. Fistula, ouais, ça m'arrange pas trop ça. Hein. Pas forcément le meilleur boss à tuer de près, mais. Ah, évidemment, je me fais toucher. Je me prends en plein dans la gueule. Ça va, maintenant ça devrait aller. Tant qu'on fait attention. Bon, perdre de la vie, c'est un peu bête, mais bon. Ah, mais donne-moi de la vie, merde. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est? L'opposé de la vie, merci, mais non. Alors, là. Franchement, soyons fous. En fait, j'ai acheté un truc, donc je pourrais pas avoir d'Angel Rooms. Bon, c'était un peu con ce que j'ai fait, même très 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 con. Bon, à tous les coups... Ouais non, c'est même pas là. Ok, non. Une clé, nice. Ok, on vole, donc on peut aller là. Et... Non. Un peu de vie, ça serait cool aussi. Merci, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Alors, hein? On a la Curse of... Bah non. Okay, je sais pas ce que je fais. Je sais pas si le mieux c'est d'aller dans le shop ou dans l'item room. On va dire le shop. C'est une erreur. Ah non, on peut racheter la clé. Bah, je peux toujours faire un retrait si jamais il y a un souci. Je vais où là? Ah oui, là. Bizarre que je n'ai pas trouvé l'item room. Rainbow Baby, ouais, ça peut être utile. Ouais, je vais carrément faire un retrait, hein. Cool. Je vais prendre ça. Est-ce que j'ai assez pour le rendre? Ouais. Non, ça veut dire que ça passe. Je sais pas si Rainbow Baby était ok, mais... Bon, on pourrait toujours acheter ça aussi, mais... Ça me redonne de la vie, ça. C'est vachement dangereux ce que je fais, mais bon. Jouer dangereusement, ça peut être cool aussi. Hein. Quand on peut vraiment pas se permettre de se faire toucher là. Et on n'a plus aucune bombe, aucune clé. Curse of the Maze. Bon, allons déjà vers le shop, même si on n'a pas de clé. On aura peut-être une sur le chemin. Non, on a un damage assez monstrueux. Non mais arrête. Oh putain. Normalement elles peuvent pas sauter dans le vide, mais bon. J'ai pas confiance. Ah, on a trouvé notre clé. Bon, aller dans le shop là c'est pas très utile. On va prendre un petit risque, speed down. Ça va, je crois qu'on a eu un speed up tout à l'heure. Bon, YOLO. La broken watt, je suis peut-être vachement utile. On verra ça. Oh, ça nous a changé la direction.
Salle peut-être pas mal. Si on a plein de bombes, bon on en a pas des masses. Là, je... Non je l'aime pas du tout. En même temps, qui aime cette salle? Ah. Non c'est même pas là que je voulais aller mais bon. Dommage assez monstrueux maintenant, surtout avec la marque. C'est vrai que j'ai plus de clé moi du coup. Bon, espérons qu'il y en ait une là-dedans. Tamised, c'est vrai qu'on n'a pas d'objet donc... comment ça marche maintenant? Bon, on va l'utiliser. Ça marche pas genre en mode brimstone? Je crois que si. Oh putain! Oh mon dieu! J'ai mis tu as un petit lag. Je sais pas si ça, justement ça... Ouais. C'est en rapport avec le worm qu'on a peut-être. Le fait que les tirs soient... plus incurvés ou un truc comme ça. Ah mais attends, je peux utiliser ça. Attends, je lag. Ah merde! Ok, c'était... Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais là? Ok, on a fait une erreur là. Ah oui, ça lag carrément. Putain, c'est chaud. Qu'est-ce que je fous là? Ok. Je me suis fait troller par la curse. Forcément. Bon, là, on est safe. Bon, pas de risque. Par contre, c'est... On peut abuser qu'il y ait du lag quand même, mais bon. Non. On va aller. Ah mais il m'énerve là. Laisse-moi aller à l'item room. Merci. 10 bombes, bon c'est pas... C'est pas ouf. Mais ça peut nous permettre de... Non mais là, là c'est n'importe quoi là. Ça peut nous permettre de trouver la secret room. Là, je comprends plus trop ce qui se passe là, mais. Il y a un Broken Watch dans le shop, je pense pas qu'il y avait de la vie. Je sais pas où je vais là, mais non, c'est n'importe quoi. La curse me troll à fond là. On va dire que c'est là. Nope. Ok, il n'y a pas de vie là-dedans. Dur, difficile, difficile. Vraiment faire attention, on peut se faire one shot par certains trucs donc. Tinted Rock, ce serait l'idéal. C'est pas qu'il puisse y avoir de la vie dans les mushrooms, mais. Tu aurais des pilules qui nous donnent de la vie. Freaky Fly, c'est bien. Je peux pas avoir de bad trip là je crois mais... C'est si forever. Ah ça serait cool pour nos... Secret room et tout ça. Bon je sais pas trop comment la curse va nous troller ou non mais... Bon, on va faire très attention. Ok, secret room est là. Si vous pouvez nous donner de la vie ce serait cool aussi. Ok ça c'était con. C'était même très con. Non ? C'est de trouver la super secret room. Donc on va vraiment faire gaffe hein, parce que... Je sais pas si on peut casser tous les mushrooms d'un coup. Non. Mais en plus ça sert à rien. Dalle. Ah il m'énerve. Ouais non apparemment c'est pas par là. On va pas s'attaquer au boss tout de suite, ce serait bien de récupérer un petit peu de vie avant. Bon, on devrait pouvoir le one shot mais... C'est risqué.
Toujours faire gaffe avec cette cœur, ça m'énerve. Bon, on va faire les dernières salles. Là, on va trouver la super secret room aussi. Voilà. Non mais il est con. Ah non, ok. Plus bête, c'était la... Non, c'était la secret room normale, d'accord. Je fais n'importe quoi. Cette salle, ok, ça c'est génial, exactement ce qu'il nous fallait. Encore un peu de vie, ouais, super. Eh bon, pour l'instant on se refait un peu. Il n'y avait pas un autre truc. Ah oui, toujours essayer de casser quelques mushrooms, mais down, non, ça ira. Bad gas, ouais, y'a mieux. Bah, profitons-en, y'a pas des mushrooms partout, donc. Non. Tears up, ouais, bon. Bref, on va dire que ça suffit. Allons donc. On va passer par le shop. Bon, je pense pas qu'il y ait de trucs intéressants, mais. Il y a une petite dernière bombe là. Ball of Steel, Télépiles, ok. Peut nous être utile si on en chope une avec... avec la Curse Room, mais bon, bref. Est-ce que je veux la Broken Watch? C'est pas ce que je voulais faire. Je lâchais très bien la Broken Watch. C'est pas cool de faire ça, mais... La Broken Watch peut être extrêmement utile contre les boss, donc donc YOLO. Ouais. Bon. On va pouvoir se débrouiller. The Fallen. Peut-être dû l'utiliser contre la deuxième phase, mais bon. Oh putain. Mom's Knife. Ah oui, carrément. Je me demande comment ça marche avec ça. A mon avis, ça le remplace. C'est un YOLO. Ok, à mon avis, j'ai un Mom's Knife avec beaucoup de damage. Bon, ça change complètement de... de l'Azazel de base, mais... Est-ce que ça me tue de faire ça? Je pense pas. Ok, c'était risqué. Mais ça va, je suis toujours vivant. Waouh, et j'ai un damage monstrueux et bon, au final j'ai gagné plus de vie, donc bon. Toujours prendre Abaddon, je vois pas trop le côté négatif, mais... Bon, bon, je pense que c'est mort pour les Angel Rooms là, hein. Mais bon. Ça va. Curse of the Lost, ouais, non, c'est pas ouf ça, mais... Là c'est vrai que du coup j'ai même Snipe, j'ai plus le... Plus le truc là, un peu bizarre, connard. Ouais, bon. Je m'habitue à Mom's Knife maintenant. Bon, faut trouver le moyen de gagner un petit peu plus de vie si possible. C'est quand même dommage que tous ces pouvoirs n'interagissent pas entre eux. Toujours décevant. Oula, on est en speed là, à faire gaffe. Toujours dangereux le speed. Je vais me casser pour l'enlever. Bon, on n'aura pas le boss rush et ça m'étonnerait qu'on veuille y aller. Mais bon. Attention quand même. Ouais. Mettre pas trop cette histoire de curse. Pas de Tinted Rock, hein, on en a pas trouvé pour l'instant.
Hop là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Là, j'ai trouvé le boss, bon, tant qu'on y est. Allons-y. Cœur vivant. Ah, bah c'est vrai que du coup, ta miss head ne fonctionne plus tout de la même façon. J'avais oublié ça. Tears et shot speed. Qu'est-ce qu'il me propose? Du cran de puce, bah oui, quand même. Ah, nice. Eh, Krampus Head, ouais, c'est carrément mieux que Tamis Head, hein, donc. C'est bien de pouvoir lancer des couteaux, mais les brimstones, c'est bien aussi. Comme ça, on a un petit mix des deux. Pas mal. Pour être assez, mais. Bon. Alors, faire gaffe à cette salle. Bon, je l'aime pas du tout, donc voilà. On va tout casser comme ça. Parce que pas de se prendre de damage d'une façon débile. Ouais, je sais pas du tout où aller par contre. Fuck. Attends, il y avait un truc en bas. Ah, la revue, ok. Ah, c'est vrai que du coup, ouais, ils ont augmenté la charge de la Krampus Head à 6 salles. Bon, c'est quand même bien cheaté, donc. C'est compréhensible. Donc ouais, on peut plus l'utiliser souvent si... Lalalala, on peut plus l'utiliser si souvent que ça. Bon, nickel. Bon, ça, on n'a pas besoin. Nice. Décidément, il est où? Où est mon shop et mon item room? Bon, il y a de grandes chances de trouver Grid dans le shop, hein, mais... Ah tiens, mes araignées m'ont aidé. What? Alors, il est pas mort. Damage et health up. Ah tiens, c'est vrai, on a de la vie du coup, ça fait bizarre. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ça, ça augmente mes mouches ou mes araignées aussi? Je pense que on peut facilement trouver une pièce là. Sans avoir à faire de retrait. What? Merde. Bon, je crois qu'on a tout exploré en fait. Il y a des chances qu'on devienne Guppy donc bon. Allez. Voilà. Ah oui, quand même. Dommage, j'ai un peu abusé. Ah ouais. Ah ouais. Du coup, c'est limite dommage de pas avoir méga Satan là, mais bon. On va voir du coup si ça affecte aussi mes araignées ou non. Ah oui, Giant Spiders and Flies, donc oui, c'est pas mal. Donnera encore plus de damage pour ces trucs. C'est vrai que du coup, oui, si les araignées stackent aussi avec mon damage, enfin, font le double de mon damage comme les... Comme les bouches, je suis ultra cheaté là. Je ne sais plus du tout où est le boss. Je crois que si en fait. Non, c'est pas par là, c'est en bas, ok. C'est là, et ensuite c'est tout droit, il me semble. Voilà. Il y a quoi déjà ici? Ah, ça, t'as mis head. Non, non. Non, let's go. Ah, pour l'instant, ça se passe bien. Curse of Labyrinth, d'accord. On a les deux boss ici, le shop est en bas. On peut toujours utiliser le Krampus Head si jamais on tombe sur une salle un peu chiante. Ah, c'est vrai que je me demande quand même, Tamis Head était assez pu... Putain, Tamis Head était assez puissant avec avec le knife, mais bon. Il faut qu'on évite de perdre des vies. Bon, j'aime pas du tout ces ennemis. Pas forcément pratique avec le couteau. Je les vois pas. Ah non mais... Vraiment, éviter de perdre de la vie.
C'est crucial. Où sont ces putains de trucs? Ok, bon. J'ai un ralentissement, c'est cool. Lui, on l'a explosé. Merci les araignées. Toujours pas de Tinted Rock, hein. Ça m'aide pas trop au niveau vie, mais... C'est vrai que c'est le seul problème en fait, hein. C'est qu'on ait de la vie et c'est terminé, hein. Vu le damage qu'on a. Non, c'est pas une arcade, c'est la salle du dé ce machin. Ok, hein. Pas forcément envie de reroll le truc. Bon, ce sera peut-être pas une. Ouais, non, si, je crois que c'est une salle reroll du coup. Je pense pas que ça reroll mes objets. Ok, ça fait le Forget Me Now. Bon, je refais le niveau. Oh putain, déjà c'est plus un XL et y a Curse of Darkness dedans. Bon, ok, je. Je suis pas sûr d'apprécier ça. C'est vrai que je sais jamais quand ça fait un truc ou non, donc. Ok. C'est pas ceux qui sautent. Oh oh. Bon, je peux pas répondre. Fire Raid, je sais pas si j'ai envie de ça en fait, mais. Ouais, c'est un damage down en fait, donc bon. Ça devrait m'aider à tirer comme un malade. Je ne sais pas qui sonne à ma porte, mais. Je ne suis pas censé ouvrir. Y a rien d'intéressant ici. Effectivement. On va aller direct vers le boss du coup, hein, parce que... L'eau est pas ouf. Oh putain, sérieux. En plus, je perds de la vie. On a une batterie, donc on pourra utiliser le... On va l'utiliser même, mais... Encore du shot speed, hein. Ah, intéressant. Bon, si on prend un Guppy, on perd rien. Si on prend ça, on perd juste notre réceptacle. On peut rien faire avec. Et oui, non, on garde ça évidemment. Ça, on est très proche de Guppy. Bon, passons au niveau suivant. Il est maintenant 19h. Chut, y'a la gare, tais-toi. Bah, attendez 2 secondes, je reviens.
Je veux une invasion de zombies à repousser. Maintenant que c'est fait. Ah. Un plomb. Maintenant que c'est fait, on nous dérangera plus. Putain, deux zombies. Bon, oui, il y avait des zombies qui frappaient à la porte, c'était bizarre. Bref, et on a un nouveau Curse of Darkness, j'aime pas trop ça. Mais bon, hein, tant pis. Oh putain, attention. Ça m'empêche surtout de voir les Tinted Rock en fait, donc parce que bon, j'aimerais bien en trouver, hein. Sachant que j'ai pas des masses de vie. Et bon, allez. Temrome, toi je t'explose. Une autre clé, parfait. Death Key, ouais, tiens, en parlant de clé. Pas forcément besoin de ce truc, hein. Alors, on va voir si on peut pas trouver des trucs dans les skulls. Ah, parfait, Black Heart, c'est un peu ce que je veux. De la vie. Rien dans ceux-là. On a des bombes, profitons-en. Mais bon, il fallait tomber sur un ennemi aussi. Bon. Ah, c'est vrai qu'on a une charge gratuite de. De ça là. Voilà. Ça c'est fait. On a le shop à gauche, allons-y. Là, encore ça. Bon, pas très utile. Décidément, c'est quoi tous ces machines? Là, il reste des mouches, je les avais même pas vues. Ben, shop, grid, non, même pas, toujours pas. Pas de grid aujourd'hui, hein, c'est cool. Et ouais, hein, quand on y est, on va remettre notre thune là-dedans. Hein. Est-ce qu'on peut pas trouver la secret room par hasard? Pour remettre encore plus de thunes à l'intérieur. On a utilisé un peu trop durant cette partie. Là, bah non. C'était pas là avant. Attends qu'on y est, je vais bien ouvrir ça. Des bombes, bon c'est pas vraiment ce qu'on a besoin là tout de suite, mais bon. Ce dont on a besoin surtout. Ouais, que dalle. Bon. Évidemment, il aime bien nous fier les mêmes salles tout le temps là. Depuis tout à l'heure. Ah, c'est vrai que j'ai plus de thunes, c'est con. Je peux pas rentrer dans l'arcade. Ah, décidément. Normalement, je pourrais rentrer de ce côté, mais. Ah putain, sérieux, les araignées. Ouais, c'est con. Bah, c'était pas par là? Ah, bah non, oui. À chaque fois, je me trompe. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est. Bah, non, à chaque fois, je me trompe, tout simplement. Justice, ok, ça devrait me donner une pièce. Nice. Non, je peux rentrer là-dedans. Toi, je m'en fous. J'ai pas de cœur rouge. En fait, je vais tous vous exploser. Non. Et je vais donner ce qui me reste. Oh putain. Connerie. Je vais donner ce qui me reste au shop. Voilà. On remplit à nouveau le truc. C'est un peu du Claude François ce truc. Ouais. Ça s'en va et ça revient. Bref. N'importe quoi. Ah tiens, on a trouvé un black art et la rune de protection, elle dit nice.
Bon, je crois que c'est la seule qu'on a débloquée du coup. Et ce truc me donne un bouclier. Pendant très longtemps. Donc à garder pour un des derniers boss. Où est-ce que je vais, bordel de merde? Ok. J'aime pas trop cette salle, mais ça va. Sont là, mais tu vas mourir, toi. Ok, c'est bon. On va pouvoir casser les quatre ici. Le full permettra d'aller dans une curse room, mais bon, je préfère ça. Ah, bah, parfait, tombé au bon endroit. Chariot et Death. Ok, faire ça autrement. Là on est à Mom. C'est Death sur eux. Unité au pic, j'en ai pas besoin. Oh putain, ça c'est cool. Ok, j'utilise Chariot ici. Et évidemment je garde ça parce que c'est génial. Hey, allons tuer Mom. On l'a explosé. Et on a envie d'aller dans Darkroom. Ah, disons pas. Bon, je pense pas qu'on ait de deal ici. Ah si, tiens. Ah si, c'est vrai qu'on est à Mom, je suis bête. Ça c'est pas mal, mais attends, Synop. Ça me donne un peu de vie et aussi du damage. Bon, soyons fous, hein. Ah oui, tiens, ça m'a redonné ma vie, c'est vrai. Je me disais bien que ça me redonnait de la vie, mais je savais pas combien. Et oui, ça m'a remonté aussi mon damage, donc c'est parfait. Bon, on joue risqué, mais... mais ça se passe bien. Curse of the Maze, youhou! Bon, apparemment le boss est pas très loin en tout cas. Ok, les araignées qui aident bien. I can see forever, ouais, why not, hein. Sans vu que je compte pas. Ah tiens, le boss n'était pas là. Oh le troll. Oh c'est nice ça. Ça veut dire qu'il faut faire tout le tour, hein. Pas mal. Pas mal, pas mal. Joli troll. Évidemment, c'est pas par là, mais on a trouvé la secret room comme ça. Speed down, non merci. Bon, tu m'aides pas là, tu m'aides pas. Grid, bon, on va l'exploser. Peu de thunes, ça peut toujours être utile. Donc on est dans The Womb, on peut essayer de trouver les Tinted Rock. Ah, bah, tiens. C'est pratique de pas avoir besoin de se préoccuper des pics, hein. Ah, mais sinon, on se peut parler non plus. Hein. Ah non, c'est juste, on s'est fait troller. Ah, nice, Spirit Art. J'ai failli le louper celui-là. Ah. Attention. Toi, tu crèves, toi aussi. En fait, vous crevez tous. Voilà, une petite clé, nice. What? Il est pas mort lui. Ok, bon. C'est par là. Les araignées nous aident pas mal, hein. C'est vrai qu'on est plus qu'à un objet de Guppy aussi. On devrait pouvoir l'avoir ici. En tout cas, on devrait réussir à l'avoir à un moment. On a de grandes chances, hein. Bon, c'est quand tu veux. Oh putain. Toujours peur ce machin. Je sais jamais où il est. Allez, il doit te reste quasiment pas de vie. Va-t'en, connard. Oh putain, toujours flippé. Non, allez, allons tuer le boss. Triacnid, one shot. Est-ce qu'on veut un health up? Ouais, le pistolet est à un cœur, donc. Ah, bah, de toute façon, allez, donne-moi un objet Guppy ou.
Le petit scolaire peut-être. Non, que dalle, non. Des pilules, phéromones. Nice, pretty fly, nice. Un petit peu plus de défense, c'est cool. Bon, passons au niveau suivant. Ah, je crois que c'est un peu mort pour Guppy. Enfin, bon, c'est toujours possible, mais... c'est moins probable. Alors, on a une salle spéciale ici. Voilà, on a deux clés, ça devrait aller. Oh, une donation machine, nice! Je crois que c'est la première fois que je vois une donation machine dans The Womb. Bon, il y a moyen qu'elle se casse très rapidement, mais... ok, on a de quoi la remplir un peu. Et tous les retraits qu'on a fait récemment, ouais. Ça va, c'est cool. On a pu remonter un peu tout ça. Ah oui, quand même. Ah oui, non, c'est monstrueux, hein. Arrêtez de fuir, vous! Ok. Petite drogue, non? Ok, bon, on sait que le boss est par là. Non, pas aujourd'hui. Il ne mourra pas. Ville créature. Bon, c'est gouré de côté, mais bon, c'est pas grave. Oh putain, tous les dingles là. Ils auraient bien à ma charge de. Krampus Head, mais bon. Ce serait du gâchis. Alors, on a pu regagner un peu de vie quand même, hein. Mm. Cette roche m'a l'air d'une couleur différente, mais. Bon, il n'y a pas de X dessus, donc bon. Ça ne peut pas être ça. Non, je vois aucune petite drogue ici. Oh putain. C'est un champion ce truc en plus. Justice, ouais. Télépills. Risqué de perdre notre rune, mais bon. Allez, un petit objet Guppy pour nous récompenser. Eh bah non. Eh hey, qu'est-ce que tu me fais lui? Télépills. Ok, bon. Pas oublier de récupérer notre rune. Oula, j'aime pas trop ça, mais bon. Ça va. Pas trop compliqué. C'est vrai que les roches ne nous protègent pas là. Tinté drogue peut-être. J'ai l'impression qu'il y en a une là. Ouais, il y a un X sur cette roche. Ok. Coffre, ouais, non. On a gagné une clé, on va dire, mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Oui, ma rune. Ok, allez, j'ai encore quelques salles à faire quand même. Pretty fly. Nice, on a une bonne une défense entière maintenant, c'est cool. Hop là, attention. Faisons gaffe. Ah, c'était con. Lui, il a explosé ce machin. Je ne sais pas. Bon, toujours pas trop de vie. Bon, on n'aura pas à tuer Méga Satan vu qu'il y a quasiment aucune chance qu'on chope la clé. Mais... où est cette rune? Elle est là. Parfait. Bon, sur ce, allons tuer le boss. Bon, ce qu'il y a là déjà, rien. Bon, je trouve qu'il y avait une petite drogue, mais non. Allons-y. Larry. Non. Explosé assez kiff, c'est vrai. On l'a bien explosé. On a débloqué Raft Baby. C'est vrai qu'on est en hard mode. Ok, et ouais, j'ai failli aller dans la cathédrale. C'est pas du tout ce qu'on doit faire. On va aller tuer Satan et The Lamb.
Ben, c'est pas à côté. Ok, la ruine pourra être utile ici, mais... Ouais, éviter de la gaspiller, si possible. Je déteste ces salles, mais... Bumspurl, ouais, carrément plus utile que ces machins. Attends, je trouve que je sais même pas ce que c'est, d'ailleurs. Allez, un petit Spirit Heart... Non, connard. Bon. Ah, encore cette salle, décidément. Eh merde! Enfin, ça les a même pas one shot, c'est sérieusement. Quoi. Je déteste ces monstres. Mais what? Ok. Allez, Momspurl, aide-moi. Donne-moi plus de cœur. Ok, bon, ça, ça devrait aller. Tant qu'on y est, hein. J'essaie d'en trouver où on peut. Rien, que dalle. Bon, continuons. What? Ouais, c'est une selle pas très utile là, mais... What? Il restait un truc? Ok. Même Spurl, t'es censé convertir des cœurs là, tu m'aides pas. Fallen, bon. On a eu... Bon, on tue Satan. On va garder ça pour la phase du milieu, je suppose. La Krampus Edge, je veux dire. Allez, la rune, on va la garder pour le dernier boss. Enfin, pour The Lamb. Ou alors si on tombe sur une salle dégueulasse après. Là. Je sais pas si on l'a très bien géré le truc, mais... C'est bon, on est en speed là. J'ai l'impression qu'on est en speed sur ce boss. Il paraît complètement abusé. Ah non, non, on est en slow, mais... Non, je ne sais pas, ça a été étrange. Ok, bon, on l'a eu sans se faire toucher, ça c'est cool. Et bon, passons... à la Dark Room. Allez, file-moi Guppy dans les coffres, là. Pas la clé malheureusement, non, ça c'est un peu compliqué. Allez Guppy, on sait bien les mouches mais... Ah. Le pacte, malheureusement je peux pas le prendre. J'aimerais bien. Ah tiens, masque une famille. Ah ça va, intuitivement je suis allé dans le bon sens. Ah, sérieusement. Ouais, je vois rien là. Déjà que Darkroom c'est pas très lumineux, mais là. Mette pas trop là. Putain, faut que j'arrête de prendre des dégâts contre lui, il est simple, fuck. Évidemment, c'est pas par là en plus. Oula, deux Fallen là, c'est un peu dangereux quand même. Qu'est-ce que je fous? Oula, là, attention. J'arrive à viser, vraiment. Oh putain, c'est dangereux. J'aime pas du tout ça. C'est vraiment pas cool. Cette salle pourrait me... Rune, tout de suite. C'est bon, fini. Je peux pas. C'est pas cool d'utiliser maintenant, mais... Non, non, c'est pas sûr qu'on gagne, en fait. Hein. Même une grande chance qu'on crève. Et ouais, non, la double. Le double mec de. La double Fallen, ça l'a vraiment pas fait. Ah, c'est dommage, hein. On était pas mal. Et ces derniers temps, on tombe sur des salles qui nous. Qui nous achèvent. En Secret Room, peut-être, avec des cœurs ou je ne sais. Non. Que dalle, hein, décidément, ça m'aide pas. Bon, oh, être obligé de passer par là. Ça va, plein de chubs, vu notre dégât, ça va. Avoue, le double. Double Satan dans une petite salle. Enfin, double Fallen dans une petite salle, c'est pas. Allez, là, Momspurl, aide-moi.
Ah, on a trouvé ça. Ouais, super gris, super. C'est pas ce qu'il me faut là. Hein. C'est un truc qui me coupe la tête, ça, c'est pas génial. Tant qu'on y est, hein. Il me semble que j'ai entendu dire que ma tête me sert de bouclier aussi. Donc ouais, on a une bonne défense, donc ouais, ça pourrait peut-être nous aider. Je ne sais pas. Oh putain, je sais pas où ils sont. C'était con, mais... Oh putain, évidemment, on tombe sur cette salle maintenant. Ils sont ralentis, ce qui m'aide un peu. Putain. Ils sont où? Ils sont là. Et il en reste un. On va pouvoir l'avoir. Putain, mais même Spurl, tu sers à rien, sérieux. Ouais, évidemment, c'était pas le bon chemin. Mais bon, de toute façon, on doit charger la Krampus Head si possible. Oulala, les troll bombs, il y en a trop là. Merde! On va se faire tuer sérieusement. Oh, ça m'énerve. Ça, ils sont ralentis. Oh. C'est de trouver la super secret room peut-être. Et on est parfait pour la Krampus Head. Bon, on doit tuer The Lame sans se faire toucher. En se faisant toucher une fois avant. Let's go. YOLO. Bon, on va garder la Krampus Head pour quand il va sortir de son corps. Ou pas. C'est vrai que la rune aurait été utile ici. Merde. Ah. Ouais, j'avais oublié qu'on avait ça, tiens. On a le 9 lives, hein, ça pourrait m'aider. Non, on pourra s'entraîner contre ce boss, ça devrait être faisable, franchement, ne pas se faire toucher. On devrait y arriver si on utilise bien notre charge de Krampus Head au bon moment. Genre maintenant. Bon. Ok, j'avais oublié qu'il faisait ça, bon tant pis, on a plus la Krampus Head. Allez, on peut le tuer, c'est faisable. Il a assez de damage. Juste, fasse attention. Ok. Ça va. Faut juste qu'on le touche correctement aussi, parce que... Attention à son attaque Brimstone. Voilà, celle-là. C'est ça qui fait une attaque à la fin aussi, qui... ressemble à celle de Hit Leaves. Ah, c'est quoi cette hitbox pourrie? Ok, bon, ça tourne pas encore. Ça, c'est stressant. Pas du tout son Xbox, sa hitbox. Bon, on l'a eu. Nice. Ouh, on a débloqué Demon Baby. Apparemment, on l'avait pas. Ok. Bon. C'était chaud, mais on a réussi à le tuer grâce à 9 lives. J'ai oublié que j'avais, c'est cool. Ça nous a bien aidé. Bon. Bon, c'était une run plutôt sympa. Hein. Beaucoup de dommages, bon, pas assez de vie, mais sur la fin, on a réussi quand même à tuer... Tuer The Lamb avec un seul cœur. Grâce à 9 lives, hein, comme quoi. Ça peut toujours être utile de respawn avec un seul cœur. Si on a suffisamment de damage, sinon c'est complètement con, mais bon. Ça arrive aussi. Et donc, oui, on a débloqué Demon Baby. Et donc, oui, on a réussi à tuer. A tuer The Lamb avec Azazel en hard mode. Il reste Blue Baby à faire en hard mode aussi.
Alors, encore pas mal de trucs à faire. C'est vrai que bon, on a pas eu de chance avec Kane pour l'instant, donc on n'a pas pu faire grand chose. Samson, on l'avait fait qu'une fois, donc bon. Eve, on a quand même tué Satan avec la première fois, c'était assez marrant. Bon! En tout cas, c'était Merlamos pour le 53e épisode de Rebirth. Et on se retrouve dans le prochain épisode. La prochaine, tout le monde.